Bonsoir. Patientez 5 minutes. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, ça va arriver. Ok. Et tu spagnes le train. J'ai eu le train. Agent Cadreau. Vous n'êtes pas encore agent. Tout juste. Ah, sacré bordel ici. Bon, je suis le colonel Rouillache. Je suis le directeur des rats musqués en personne. Mais arrêtez ce sourire, BA, s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est bon. On n'est pas dans un cirque, on est à l'armée. Ouais. Veuillez me montrer vos diplômes, s'il vous plaît. J'ai oublié. Ah, c'est malin ça! Je voulais dire que j'ai oublié dans ma poche de pantalon. Regardez-moi ça. Il plie en quatre un papier aussi important. T'avais pas de place dans mes pompes. Ah, finalement, ça pourrait être pire. Bon, voyons voir. Brevet raté. Bac raté. Chapeau. Voyons voir les appréciations et les moyennes de la dernière classe où tu étais. Anglais. Madame Motherfucker. Oula, je changerai de nom à cette place. Oui, Mother c'est du côté de la mère et Fucker c'est du côté du père. En tout cas, vous avez 2,64 de moyenne. C'est naze. Bah, pourtant, je sais dire. What's the really name? What's that? Bon, et ils disent que tu répondais toujours What's your name? Pendant les contrôles. Et avec des fautes avec ça. Sous-joué. Ça peut servir de savoir dire ça, non? Ouais. Art plastique. Mademoiselle Crayon. 0 de moyenne. Bah pourtant je dessine bien. Regardez. Elle est sévère la prof. Ouais. Sur quelle feuille vous avez dessiné? J'en sais rien. C'était le rapport de mon meilleur agent. Il va devoir tout recommencer. Je suis désolé. Merci. Pourquoi il n'y a plus de carveille ici? Merde. Bon. En tout cas, elle disait que votre niveau équivaut à un maternel. Bah, ça pourrait être pire. Pas beaucoup. Bon, EPS, monsieur Ducu, mon petit troudu. Quel nom de chiotte. Bref, 8 de moyenne. C'est pas mal par rapport au reste. Ce prof a toujours été spécial. L'appréciation dit mauvais élève. Non. Comment il écrit ce prof? Mauvais cet élève et beauté les fesses souvent j'ai dû lui mérite la moyenne qu'il a il. Ce prof inverse toujours tout. Normalement je devrais au moins avoir 12 de moyenne. Eh bien, pour rester dans le même esprit que le prof et te montrer qu'on ne doit pas se foutre de ma gueule, votre clapet entendre je ne veux plus. Foutre allez-vous faire? Ah ouais. Gueule, prends ça dans ta. J'en recommencerai plus. J'espère bien. Bon. Reprenons. Alors, j'en étais à quel prof? Ah, voilà, ici. Éducation civique, histoire et géographie. Monsieur Pays. 5,34 de moyenne. Ouais. Mais je sais que la capitale de France, c'est Moscou. Ouais. Bon, l'appréciation confond les États-Unis et le Royaume-Uni.
Ouais, c'est vrai que c'est évident. C'est pas évident pour des gens comme vous. Mais... Je ne sais pas dire. Oui, oui. Ensuite, espagnol. Madame señorita. 13 de moyenne, enfin quelque chose de correct. Ouais, mais c'est qu'elle a l'habitude de noter sur 40. Ah, super. Bon, ensuite, français, monsieur Gaulois. 4 de moyenne, aucun travail, aucune réussite, mais tout sourire quand même. Ouais. Voyez-moi, vous rirez beaucoup moins ici. Si vous le dites, monsieur Rouillas. Maths physique, monsieur Oum. 3,76 de moyenne. Fabrique un court-circuit en appuyant sur l'interrupteur de la classe. C'est pas ma faute. Bon. SVT. Madame Nature. 2,48 de moyenne. Tout ce qu'il sait, c'est que la mer est pleine d'eau. Bah ouais. Comme dans les baignoires. Certes. Pour finir, technologie. 6,37 de moyenne. Jette des bouts de gomme sur ses camarades au lieu de taper sur l'ordinateur. Bon, c'est amusant, non? Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne vous donneront pas de poste où vous aurez besoin de trop réfléchir. Pas de problème. Mais, bien que vous vouliez devenir espion, vous deviendrez agent.